Les potos, alors aujourd'hui on se retrouve pour le premier vlog coréen et pas n'importe lequel. On part sur mon vlog à Jeju. Jeju, c'est la capitale de l'île sud-coréenne Jeju-do. En gros, c'est comme si la première fois que vous alliez en France, vous faisiez un crochet à Ajaccio ou à Bastia en Corse. Plutôt stylé. On y va de aujourd'hui, donc on est le 3 mai et on rentre le 6 exactement. Donc c'est la première fois tout comme en Corée que j'y vais, j'ai très très hâte. Je suis accompagnée, enfin je serai accompagnée de Maylin, Lou et Yongyu. Et le petit truc aussi c'est que je vais fêter mon anniversaire là-bas, mes 22 ans. Je suis très contente et puis ben, je vous amène avec moi dans ce voyage. J'ai beaucoup d'attentes, notamment en termes de bouffe, car Jeju fait beaucoup de super plats à base de poissons et... avec falafel poisson. En effet, île côtière bordée par l'océan Pacifique, elle regorge autant de belles plages que de super poissons. Là, il est actuellement 9h du mat. Ouais, je suis jeune, je suis du mat. Et oulala, l'humour de mon matin, Juliette, fait simple. Et on a l'avion à 14h, donc là, je vais me préparer, puisque ben, c'est compliqué, là, physiquement parlant. Oh, attendez, transition, moi, habillée, maquillée, pimpée, ça, de ça. Il y avait une lampe. Point ouvrier, vieux à l'Algérie. Pimpé de ouf. Actuellement, il est 10h21. Du coup, je vais aller me prendre un petit kawa pour un peu me régénérer et manger des petites madeleines. Alors franchement, j'ai trop voulu faire la Frenchie. Regardez les madeleines que j'ai pris. J'ai pris des Saint-Michel. Je me suis dit, on va ramener de la France ici. Que nenni. Je pense que ces madeleines ont été faites en Corée parce que... elles sont pleines de sucre et elles ont pas goût d'œuf, de beurre, tout ça comme les madeleines bah, normales. Et alors, tu trouves qu'elles ont un goût normal? Non. On est d'accord. Attention, donc là c'est la technique de maman Lou pour gagner de la place dans les valises. Le but c'est de faire plein de petites saucisses parce que les saucisses entre elles, elles se serrent. Ça amortit les chocs. Ah, oh, j'avais pas vu, c'est joli ce que t'as fait avec tes petits cheveux. Ah ouais, j'aime, t'aimes bien. Oui. J'ai vu, c'est super gras. Je me... ça me casse les je mets du gel partout. Pyjama. C'est mon petit pyjama. Attendez, mais vous êtes tout seul. Du coup, je vais prendre de la bave old school. Waouh. Ah ouais. Mais là on sent des années d'expérience. Bah, toi t'as fait des colos, t'as fait du camping, t'as fait du tout toi. Incroyable. Magnifique. Ouais. Merveilleux. Comment tu rejettes? Tu vois ça, c'est pas une optimisation de place. Ah. Alors par contre elles ne t'ont rien fait. Tu vas te calmer avec mes Jordans. Ça fait 1000 ans que je voulais des Jordans. Ça se voit t'es pas allé en colo toi. Mais non, je suis jamais allé en colo. Bah, voilà. J'avais peur d'être séparée de ma maman. Bah voilà. Bah, c'est pour ça que tu sais pas ranger tes chaussures correctement. Attends, celle-là s'il vous plaît. Ça part en baroudage. Alors heureusement qu'on a Daddy Yongyu pour nous aider parce que là ben, j'aurais rien compris du tout. Mais là on va aller manger un petit bout parce qu'on crève un peu la dalle. Mais pas trop non plus parce qu'après on va se péter le vide directement en arrivant à un restaurant. Ma grosse tête pour vous montrer mon petit repas. Donc voilà le petit repas de fortune. Les petits avions. Ça se pète, à Jeju. Alors on est actuellement dans l'avion et c'est assez loquace parce que je suis à côté d'un mec dont j'ai trouvé le pantalon très très beau. À deux doigts de lui dire où est-ce que t'as acheté ton pantalon, frérot. Il te déteste de l'air. Oui, c'est vrai que vu que je bouge beaucoup, il est actuellement à ma gauche, je pense qu'il me hait. Je
à Jeju. Mais frère, tu t'étonnes encore qu'on soit Dupont et Dupont, genre à un moment, enfin... Comment c'est possible de le faire, de dire la même chose? Avec la même intonation. Ça attend les petites valises, ça attend les petites valises. Welcome to Jeju. J'ai l'impression qu'on va dans le van, dans Scooby-Doo carrément. Gracias. Eh mais c'est l'aventure là. Y'a pas de ceinture. Ok, y'a une dinguerie, je passe dans par là, je te le dis direct. Mais ici t'es en Corée, c'est la fast life. C'est en fait en Corée c'est pas la fast life, c'est la no life. C'est la t'abandonne, l'idée d'avoir une life. Party, c'est party, c'est party. Oh, cantare. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'il fait bon, c'est trop agréable. C'est qui Ewol? Parce que elle est aimée en tout cas. Ah ok. C'est qui Italie? Parce que franchement, je sais pas c'est qui cette meuf, mais elle est grave aimée. Hein. On va se balader au bord de la mer et découvrir un peu les alentours. En fait, c'est pas mal parce que quand tu fais un vlog, genre parfois je peux juste te laisser parler, tu me fais aussi mon vlog. Ah mais ça, c'est des algues de Jeju les potes. Hein. J'étais petite, je faisais tout le temps la chasse aux crabes. Le rapport, le rapport, quel est le rapport? Alors là les gars, genre vraiment un moment incroyable, incroyable de vie. J'ai mangé pour toutes mes générations passées, futures, à venir, ce que vous voulez. Et là on a un bête de soleil, donc on va chill. Ici c'est la chillance. Ça j'ai chancane un peu quand même. Super. Merci les modèles. Mais royal! Bon, et bien les copains, nous voilà arrivés. Donc, c'est quoi? C'est un guest house? C'est une guest house, ouais. C'est une guest house. Donc, voilà le petit lit pour ce soir. Le lit de Loulou sera là. Enfin, ce qu'on vous dit. Elle ne veut pas officialiser le couple pour le moment, alors je ne dis rien. Il y a une espèce de mini boîte de night. Ouais, genre, tout de suite, en fait, elle prend beaucoup, beaucoup de monde apparemment. Et du coup, ils font un peu la fête ensemble. Sauf que là, on est clairement genre peut-être 8 à tout côté. Regardez-moi ce beau rooftop. Et là, c'est la petite pièce commune. Alors, les frérots, truc très drôle, c'est qu'en fait, Yogi nous a mis dans une guest house là, du coup, pour passer la nuit. Et en fait, genre, pour mixer un peu et pour faire que tout le monde s'entende bien, ils nous mettent avec des gens qu'on ne connaît pas. Sauf que là, en fait, il n'y a que des Coréens qui ne parlent pas un pet de français et même pas d'anglais. Donc, du coup, on a une May gênée. Je suis en train de craquer. J'en peux plus. J'en peux plus. Et nous, gênée plus loin. Beaucoup de gens gênés à cette table. Mais on va voir et ça va nous détendre. You have to say I'm the baby. I'm the baby. I'm mon baby, mon baby. On est en 2002 les gars, on a quelqu'un de plus jeune que moi, PTDR. Grand Britain. Alors les news actuellement c'est qu'on a fini la soirée. Je suis très shy de danser en France. Genre j'ai toujours été très gênée par le fait de danser. Enfin bref, je suis pas très à l'aise. Mais je sais pas si c'est parce que je suis en Corée, que personne me connaît, enfin en mode de, que mes loups, je suis hyper à l'aise avec, mais j'enflamme le dance floor. Mais j'ai vraiment passé une très bonne soirée. Donc là, voilà, se finit le premier jour à Jeju. Je vous fais des gros bisous, les copains, et puis à demain pour le deuxième jour à Jeju. Salut tout le monde. Aujourd'hui, réveil difficile pour la team Dupont et Dupont ici présent. Parce qu'hier, on a fini la soirée sur un night talk. Just two best friends talking at the moon. J'ai même plus la voix de réagir à mes propres vannes éclatées. 10h41, on va aller bruncher j'espère parce que vraiment on crève la dalle. Tu es trop beau mon cœur. Du coup retour, nous avons mangé là, c'était quoi May? C'était un risotto de quoi? Dans l'eau? Ouais, c'était très très bon et c'est considéré comme la truffe des mers, je vais mettre une photo dans 3, 2, 1, photo. Et alors là, moi c'était impossible d'en manger, c'était beaucoup trop épicé genre vraiment. Comme premier plat de la journée. C'est vrai que ça pique.
Alors, coup dur pour l'équipe. Un petit café pour se régénérer l'esprit. Allez, faut là, faut jouer au toit doux. Regardez cette vue de fou. Actuellement, on va aller se balader en haut de la montagne là. Derrière ça traîne, c'est des vieilles personnes. Il y a un travail qui s'est fait. Il y a un rejet d'enfants ici. Et nous voici arrivés au temple. Yongyu, il a dit que c'était pas le plus beau. Alors personnellement, ça me va parfaitement. Là, il y a les bongs. Gong. Là, on va aller voir la waterfall normalement, donc la fontaine. Et voilà la fameuse waterfall. Enfin, j'ai l'impression que c'est le Saint Graal de cette journée, genre. On a trop attendu cette waterfall. C'est du vol de rush. Bam. Après vol de mort, vol de rush. Dernier move de la journée avant d'aller se pioter, c'est de manger. Et on mange quoi aujourd'hui? Ok, on sait pas. Oh la feinte. Je m'attendais à ce que ça fasse genre. Du coup, grâce à Lou, on vient d'apprendre que ce soir, les gars, on dormirait sur du bois. On a trouvé le lit d'hier un peu trop dur. Et ben c'est reparti pour ce soir. Et notre oreiller, c'est un menhir. C'est pas grave, on se relève hein. Du coup, première impression des lieux. Nous voici dans la maison typique coréenne. Ben, elle cumule déjà beaucoup de meilleurs points que la guest house d'hier. On a une belle douche. Comme vous pouvez le voir, ça se fait rare des douches comme ça. Ça, j'avais juste au moins. J'avais dit qu'on avait une belle douche. Bon, là, comme vous pouvez le voir, mais il n'est pas bizarre. Elle ne fait pas une incantation étrange. C'est qu'on attend que le sol chauffe. On a une grande cuisine dont on ne se servira pas, mais elle est là quand même. La seule particularité, on s'attendait à dormir sur le sol. Au final, paf, petite structure en boîte à capter. Mais la couette, selon les dires de May, l'experte, est extrêmement agréable. Regardez les portes. Et ouais. Il a allumé la télé, mis de la musique parce qu'il va faire quelque chose. C'est encore sa petite part de mystère beau gosse. Oui, voilà. La lumière, elle est nulle sur 20. Coucou les copains, aujourd'hui, on est le jour de mon anniversaire. J'ai 22 ans. C'est notre dernier jour vraiment, on va dire, viable sur Jeju. On peut faire des choses. Donc on va aller à Udo. Il me dit ça hyper naturellement, je ne sais pas du tout à quoi cela renvoie. On va se balader, on va marcher le long des plages, on va caresser les chiens. Bref, on va profiter comme il se doit de cette dernière journée avec cet air si frais de Jeju. Et on rentre demain avec un petit avion sur Séoul. Donc voilà, j'espère que cette dernière journée vlog Jeju vous plaira. Alors voici à quoi ressemblaient les maisons, donc autant... En vrai, je sais même pas la vie, je fais trop la meuf historienne, etc. Mais je sais même pas. Juste ce que nous a dit Yongyu hier, c'est que vous pouviez enlever les piliers pour que ça se ferme quasi complètement. Personnellement, on pense qu'il a tort et que ça se fermera qu'à moitié, mais bref. Ils font leur meilleur tir à l'arc. Moi, j'aimerais trop tester. J'ai trop envie d'être une professionnelle du tir à l'arc depuis toujours. Ça, c'est parce que quand j'ai vu Hunger Games, j'étais amoureuse de Katniss Everdeen. Du coup, au final, on a fait de l'arc à flèche. Comment on dit? Du tir à l'arc en fait, tout simplement. Tu vois, de l'arc à flèche. C'est ça qui vient, hein, l'arc à flèche direct, ouais. C'est trop bizarre. Et du coup, mon rêve d'être Katniss Everdeen, il va falloir de la practice quoi, parce que c'est pas donné. Le monsieur était grave gentil et au final, c'est May qui nous a tous séchés. On ne l'a pas vu venir celle-là, mais elle nous a tous séchés. En fait, je vous ai pas dit, j'ai fait de l'arc quand j'étais au lycée. Avec ma grosse dex de touriste là, en fait, on va aller prendre le ferry avec la team. Le soleil tape un maximum. Et c'est blindax de monde, la différence ouais, que les filles disaient qu'il y a 4 ans il y avait personne. Là c'est aujourd'hui, c'est le jour des enfants, tu sais. Ah, pas bête. Il y a tout le monde, il fait beau. Non, il faisait pas très beau, enfin bref. Mais du coup, genre, vu que Jeju c'est déjà une île, genre c'est une île à côté de l'île. C'est tout petit. Ok. Tu fais le tour de l'île en 40 minutes. Ah ouais? Everything's possible today. Ça se délecte de son breuvage ici. Are you sick on the boat? Yeah. We are on the boat.
on a débarqué du ferry et on a conduit, alors non mais laissez-moi montrer le bordel, des vélos électriques. En fait le mec nous dit oui mettez la vitesse minimum. Rien qu'avec la vitesse minimum on décollait, je te jure. Regardez les roues, ça allait beaucoup trop vite. Là on va manger des bons burgers. Mais déception c'est qu'ils ne font pas de frites. Et non. Alors ça, manger un hamburger sans frites, ça fait mal au coup dur pour la France. Pada. Mais du coup c'est du gravier? Ouais. Au même endroit que Lituck, alors ça dit quoi? Et que B2B accessoirement. On n'a pas votre temps ici. Ajushi, Ajushi from Korea. Bye bye Udo. C'était Mims. En vrai par contre les vélos électriques, incroyable. Ouais ça va trop vite, c'est trop bien. 9,5 sur 10. On avait du 40 km/h à un moment. En vrai je suis jusqu'à 50. 40. Moi j'ai... Moi... 40 sur le lecteur c'est écrit 40. Moi il y avait toujours écrit 20. Hein. Moi c'était 15 maximum hein. Ouais. Et on finit sur une super note quand même. C'est quoi là le nom déjà? Tonkatsu. Tonkatsu. Et c'est japonais du coup. Carrément, je dégaine la caméra pour que vous voyez la dernière chambre qu'on a. En fait, on a vraiment fait un glow up. On est vraiment dans un hôtel, Pépitas, la douche, mais je vous en parle même pas. Aïe, 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 aïe. On a des feux d'artifice sur la plage. On a des feux d'artifice, nous? Faudrait qu'on en fasse, on en achète. Ah ouais? T'es sûr? Ah ouais. Attends, ils sont quand même durs, les liens. Je sais pas, ils sont... c'est peut-être pour ça qu'ils sont super droits, les coins d'entrée. Ils sont super comme ça. T'as capté ou pas? Non, mais c'est quoi? Non, ses cheveux? Ouais. Non, mais c'est bon, là, que demande des puces. Là, on va aller se balader parce que, genre, il y a une espèce de promenade, ça fait très ambiance Nice, etc. Cannes, bref, voilà. On va aller boire des petits coups, manger des petits snacks, bref, profiter de la vie, quoi, tout simplement. Donc. Un feu, des pétards, c'est quoi le truc là? C'est quoi le bruit concrètement? Ça me travaille. Ah, mais il y a des gens qui font des espèces de mini feux d'artifice en fait, je sais pas si vous voyez. Dernier jour à Jeju, alors ça va être très rapide parce qu'on s'est levé 10 minutes avant de partir comme d'habitude. C'était un plan express parce qu'on va se faire déchirer la gueule par Maylin et Yongyu. Bisous bisous. Ok, let's go. Bon ben voilà les potes, c'est la fin de ce vlog très long de Jeju. J'espère que vous aurez apprécié. A savoir, on a failli louper notre avion tout à l'heure pour rentrer. Ben on flex donc on y est arrivé. Et là ça va être ambiance farniente. Encore quelque chose de prévu quand même jusqu'à mon départ. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner of course.